Bordeaux 13e accueille Quevilly-Hérault en métropole 18e. Les Girondins restent sur 2 victoires et 2 nuls, une seule défaite sur les 7 derniers matchs. Il est encore possible d'améliorer la situation. Pitou, Vipotnik et Davitashvili sont titulaires. QRM de son côté reste sur 2-0-0 mais n'a subi qu'une défaite sur les 6 derniers matchs. Les Normands peuvent encore très bien se sauver. Gbele, Mamadou Camara et Khalifa Koulibaly débutent la rencontre. Première petite possibilité pour les Bordelais, mais pas trop de soucis pour Benjamin Leroy. Il sort à la rencontre de Vipotnik. La réponse des Normands avec une reprise de la tête ratée, possibilité de tête plongeante. Le marquage n'était pas au point pour les Bordelais. Mais Mamadou Camara n'a pas pu en profiter. Un tir de loin pour Bordeaux, le ballon rebondit. Attention à la confusion et la mésentente avec le gardien, mais encore une fois, le roi est très solide. La contre-attaque pour QRM. Une possibilité avec cette passe de l'extérieur. Ballon légèrement prolongé par le défenseur des Girondins. Ça empêche Camara de reprendre la balle dans de bonnes circonstances. Un coup franc pour Bordeaux au-dessus. Des actions de part et d'autre. Et personne ne parvient à faire la différence. Jolie intervention de Benjamin Leroy. Il touche le ballon et l'empêche d'aller sous la barre. Personne n'a réussi à marquer dans la première moitié du match. Changement pour QRM au début de la seconde période. Samuel Lauric remplace Pendant. Et la même physionomie avec deux formations qui ont des espaces à exploiter. L'une des deux va essayer enfin de mettre ce premier but, mais ça passe à côté encore une fois pour Quevilly-Hérault en métropole. Toujours pas de but pour Camara. Il a des tonnes d'opportunités, mais Mamadou Camara manque un peu de précision pour finir les actions. Il y a également sur celle-ci la parade du gardien. Bordeaux a donc encore une chance de s'imposer, mais la défense s'interpose. Les gardiens et les défenseurs sont au-dessus des attaquants dans ce match. Encore une chance pour QRM. Le ballon repris à bout portant par Khalifa Koulibaly. C'est encore dévié par la défense de Bordeaux. Très bonne intervention de Barbet. Et ça passe finalement à côté. Une dernière chance pour Bordeaux d'aller chercher les 3 points de la victoire. Avec ce tir juste à côté du poteau. C'était la toute dernière chance. Tir trop croisé de Pedro Diaz. Et pas de buteur dans cette partie. 0-0 entre Bordeaux et QRM. Les deux équipes gardent le même classement qu'avant le match.